Bon, Will Smith, il a sorti un nouveau podcast. Et parce que ça fait un moment, on se dit, mais comment ça se fait, Will Smith, il encaisse comme ça, Jada, il fait des sorties médiatiques. Oui, ceci, oui, cela, oui, Tupac me manque, oui, tout ça. Bon, on comprend pas trop ce qui se passe. Oui, ça fait 7 ans qu'on n'est plus ensemble. J'étais même surpris qu'il m'appelle sa femme. Je comprends pas, je crois que c'est un sketch. Voilà. On voit Will Smith, c'est dans les cordes. Et il dit rien. Il dit vraiment, on comprend pas. Le gars, il a jamais rien fait de sa life. Il est si soft que ça. Alors on l'aime bien, mais quand même un petit peu de fierté. Bon, le torse, comme on me disait à la caserne quand j'étais à l'ancienne pompée de Paris. Hein? Et là, je vois Internet s'agite. Qu'est-ce qui se passe? Will Smith a dit qu'il a fait un truc de ouf. Je dis, ah ouais, il a fait du sale. Ah ouais? We went on a date one time. Okay. You remember that? Yes, I do. We went on a date one time. I know exactly what happened. What happened? Another one. Yeah, no, we allowed to talk about it because so we mature. We ain't do nothing. We just. Okay, like, you were very nice. And it was LA, right? Yes. I feel like we went for a drive. This was one of the. I mean, the date. Yeah. That you won and you beat us out. Yeah. And then the war, you were so happy. You was like, let's go celebrate. Yeah. And then we were out and you saw a homeless person. Mm-hmm. And you gave the homeless person $100. Mm-hmm. And it was so nice. And then we went to the Hollywood sign. Yeah, the Hollywood sign. Yeah. Because like, I think you and Tretch had been broke up for a minute. So and in my mind, when I was like, I was trying to spit my game, but I ain't really have nothing. Because like, you were like. Yeah. Because my concern was that I was going to get killed. So that was a legit concern. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pour ça que tout le monde s'excite, là. Il a été en dette une fois. T'es genre tellement c'est ouf pour Will Smith, genre les gens, il est parti en dette. Ouais, enfin, il a répondu à Jada. Il lui a montré aussi que lui, c'est un ouf. Sérieux, hein? Vous êtes sérieux, les gars? J'ai pas compris pourquoi Internet s'est enflammé comme ça. Le gars, il a juste dit qu'il a fait un date avec l'ex de Twitch. Alors, ça fait genre, ouais, il a essayé de gérer la meuf de Twitch. Alors, Twitch, c'est un rappeur américain, voilà. Un peu un thug quand même, hein, faut dire ce qu'il est. Et oui, effectivement, c'est vrai que à sa place, j'aurais pas essayé de la dater la meuf. À sa place, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez soft quand même, tu vois. Enfin, les gens vont dire, oh, c'est un ouf, il a pris la meuf de Tupac, et après, il a pris la meuf, il a failli prendre la meuf de Twitch. Oh, c'est un ouf. Ouais, non, non. Je dirais pour la meuf de Twitch, je dirais que c'est plus Twitch. Twitch, je sais pas comment le dire, Twitch, c'est ça. Je dirais quand même que c'est un gars quand même, bon, ce serait plus de l'inconscience, je dirais. Hein? Je sais pas ce qu'il lui a pris ce jour-là. Alors, pour que tu puisses avoir le contexte, c'était le soir où il a gagné le Grammy Awards. Il me semble que c'était en 1998. Non, je viens de vérifier, c'est 1989. Donc, le soir du 1989, il a gagné le premier Grammy Awards, le premier rappeur qui a gagné le Grammy Awards. Il a marqué l'histoire, les gars, sachez-le. Parce que Will Smith, tout le monde, il est la risée. Aujourd'hui de la plupart des gens, mais quand même il a accompli grave des choses, gars. C'est une légende, faut dire ce qu'il est. C'est dommage que sa femme le salisse, même si c'est un gars gentil, c'est un gars soft. Bah, t'es sa femme, t'essaies de le protéger, mais malheureusement ça marche pas comme ça. De toute façon la nature féminine gagnera toujours, même si elle essaie de résister. Non, si t'es trop soft, il arrive ce qui arrive à Will Smith avec ta femme. Donc ouais, non, je veux pas trouver ça que c'était un truc de ouf. Il a daté une meuf, oui, ok, bon, bah ton ex, elle a couché, enfin, ta femme, elle a couché avec le meilleur ami de ton fils. Je sais pas pourquoi les gars, ils ont fait genre, oh, il a backlash, oh là là, ça, ah ouais, il a répondu à Jada, il a montré lui aussi, c'est un ouf. Bon, ok, il a daté l'ex à Twitch, super, bon, ok. Donc, d'ailleurs, il a répondu Twitch. Sur son Instagram, c'est Twitch Twib, donc TREACHTRIBE, si jamais tu veux retrouver son post. Donc il a dit keep my name concerning my ex bitches out, you f***ing man. Donc du coup, en gros, il a repris la phrase qu'avait dit Will Smith à la cérémonie des Césars, quand Will Smith avait giflé je ne me rappelle plus de son nom, mais le gars qui l'a giflé, tu connais, Chris Rock, voilà. Et en gros, il a dit la même phrase, sauf qu'il a remplacé femme par voilà, tout simplement. Et là, il y en a quand on dit genre, oh, il a appelé oh là là, truc de ouf. Mais c'est ça que les gars soft ne comprennent pas. Et je peux te dire que ça ne dérange pas qu'ils l'appellent comme ça. Mais les gars, ils comprennent pas que tu peux pas être juste soft en fait. Will Smith avait essayé. Quand il était en dette avec elle, je pense qu'il a dû vouloir lui acheter des fleurs, des trucs comme ça, faire le gars soft. Et elle-même, elle a dit à la suite du podcast, t'inquiète pas, j'ai le texte. Ouais, les gars, je pense à vous, les gars, on fait les choses bien. Elle dit, des fois, je me prends la tête
Et je me dis, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et he was so nice to me. Donc, il était si gentil avec moi, but je le sentais vraiment pas, quoi. J'arrivais pas, en gros, là, j'arrivais pas à kiffer, tu vois. Et après, dit, je pense, j'imagine que c'est parce que je pouvais pas apprécier un gars gentil comme Will Smith. Il était pas assez thug. Tu vois, au moins, elle le dit, tu vois. Parce que les gars, ils comprennent pas. Les gars, sauf, ils comprennent pas. Et j'étais attiré par les thugs et Will était trop gentil avec moi. Et c'est vraiment ça. Hein? Will was too nice to me. Oui, c'est bien ça. Tu vois, même moi, quand je traduis, je vois que c'est vraiment. Voilà, bref. La nature féminine, les gars. Alors, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais elle dit ce qu'elle pense. Et quand le gars, par exemple, il dit c'est son ex, et il continue à l'appeler son ex, ça te dit tout. Donc, je vois pas en quoi Will Smith a répondu sur quoi que ce soit. Je vois juste que ça confirme, en tout cas à mes yeux, ça confirme juste que c'est un gars super soft. Et que être soft, être gentil, pour reprendre le mot qu'on utiliserait en français, ça marche pas d'être gentil. C'est politiquement correct, c'est ce que les femmes vont te dire d'être, mais c'est pas ce qui les excite. Aucune femme est excitée par un gars gentil. Tu as un parfait exemple avec Will Smith, tu as bien vu. Même une meuf qui l'a daté, elle aurait voulu. Ça se voit, que la façon dont elle le pense, qu'elle l'a exprimé là, c'est que elle aurait voulu le kiffer, mais il était vraiment trop soft. Après, t'as pas besoin d'être un gangster, tu vois, mais de savoir être un bonhomme, tu vois. Genre, de toute façon, c'est simple. Être gentil, ça n'excite personne. Point barre. Donc après, je suis pas non plus stupide. Je sais que Will Smith, par contre, en termes de savoir faire de l'argent, il n'est pas stupide, loin de là. Au contraire, il sait très bien comment faire, comme ils disent, raining. Il sait très bien comment faire pleuvoir de l'argent. Il a fait exprès de rien dire et de tout garder dans ses podcasts. La même façon qu'il avait fait ça aussi, le gars qui avait tiré sur Meghan, c'est le gars qui a été en bif avec Meghan Stallion, il est en prison en ce moment, Tory Lanez, voilà. Pareil, tu vois, il n'avait pas répondu, il avait répondu dans son album. C'est comme ça, après, tout le monde va écouter l'album, forcément. Bah, là, pareil, tout le monde veut savoir ce que Will Smith a à dire, hop, il voyait dans son podcast, donc il a mis un petit extrait. On n'est pas stupide non plus, on fait du marketing, voilà. Donc c'est bien, tant mieux pour lui si au moins il génère au moins du cash par rapport à cette situation. Mais bon, en tant qu'homme, franchement, même avec tout l'argent du monde, tu préfères le respect que à l'argent, hein, concrètement. Bref, n'hésite pas à me dire que toi, ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu avais mon titre de coach, je te montre exactement quand j'ai fait 20 000 euros en une semaine, plus intelligence artificielle intégrée. Tu vas voir tout ça, comment tu vas pouvoir l'utiliser et pour pouvoir, moi, quitter le métro boulot dodo, à moins que tu aies bien comme ça. Hein? Et avant de créer l'arnaque, évidemment, jette un coup d'œil quand même. Hein? Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être ton camp.